Bonsoir à toutes, toujours dimanche, petite vidéo des petites cocos de ce matin que j'ai fait, que j'ai toujours pas rangé, vous voyez, il est 19h30, c'est comme on a fait tout le ménage et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Donc voilà, donc je fais juste le truc là. Donc c'est Leaderplies, hein. J'étais vite fait. Donc j'ai repris du papin en cas où. Voilà. J'ai repris du pain. J'ai repris du Fanta. Comme ça, je pense que Cécile, demain, elle n'aura pas besoin de sortir. Elle n'aura pas besoin de ressortir, je pense. J'ai repris du cola. Pareil, hein. Pour la recette de ce soir, Cécile avait besoin des doubles concentrés de tomates. Donc j'ai préféré prendre trois petits comme ça, au lieu de prendre une grosse boîte, parce qu'une grosse boîte, ça sert à rien, parce que je pense qu'elle va peut-être en utiliser une ou deux, mais pas plus. Donc voilà, ça servait à rien d'en prendre une grosse, et en plus ça c'est moins cher, c'est 60 centimes, les trois. M'a demandé de prendre des tomates fraîches coupées en grosses boîtes, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris de la chair de tomate au basilic. Donc je pense que ça doit être à peu près pareil. Donc j'ai pris ça. C'est 200, alors 400 grammes. J'ai pris celui-là à la place. Et j'ai pris une deuxième sauce. Non, c'est pas ça. C'est pulpe de tomate en cube en jus. Avec du jus. Donc voilà, j'ai pris des petites tomates en dés. Comme ça, avec le jus de tomate. Donc j'ai pris ça en plus pour sa recette. Pour moi, pour ce soir, je vais me faire un mélange de haricots blancs. Haricots rouges et flageolets, des flageolets verts. Voilà, donc ces trois boîtes là, je vais vous le mettre correctement. Toc 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 toc. Voilà, flageolets, haricots rouges. Voilà, je vais mélanger tout ça. Comme ça fera trois couleurs différentes dans mon assiette. Et ce sera pour moi ce soir avec la viande. La viande-viande. Au pire, j'ai pris 3 tomates. En cas si Cécile veut que je mette des petites tomates fraîches coupées en dés. Je lui ai pris de la mâche pour ce soir. Parce que Cécile a voulu manger avec la viande de la petite salade. Demain, si à la fin, je lui ai pris de la piémontaise. De la piémontaise au jambon. Elle est très très bonne, celle-là. On en prend souvent à Leaderplies. J'ai pris des pommes de terre. Des vraies petites pommes de terre à 99 centimes. Celles qui se mettent au four à micro-ondes. Il faut attendre 15 minutes, 15 à 20 minutes, tout dépend. Et ils sont très très bonnes. Et en plus, là, tu peux manger avec la peau, c'est génial. Voilà. Et j'ai repris des émincés de gelée, cabillaud, crevettes, saumon, autons pour Mahout. Mahout, c'est Blanco, mais plus pour Mahout, comme ça, voilà. Comme lui, c'est un vrai gourmand. Donc, je préfère qu'il mange ça, qu'il se goinfre de Phoenix. Et qu'après, il y a plus rien. Donc, voilà. Donc, voilà pour les petites coupes. Course. Ah oui, j'ai oublié les gâteaux de Tours. Ouais, j'avais envie de prendre des gâteaux. Hier, on a mangé les fameux gâteaux machin, les gâteaux genre de framboise là.
Alors pour Cécile, je lui ai pris une genre de petite tartelette comme ça, meringuée avec des morceaux de poire à l'intérieur. Je crois qu'elle va kiffer, hein, elle va bien aimer. Ça sent bon, mais moi j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Et je me suis repris la fameuse crème chantilly avec des morceaux de framboise. J'avais bien aimé la dernière fois et du coup bah, j'en ai repris. Vous voyez, il y a même des morceaux de framboise à l'intérieur de la chantilly. Et franchement, très très bon. Enfin, franchement, rien à dire, je me suis régalé. Donc du coup, j'en ai, comme c'était les deux derniers, que ce soit un gâteau de chaque, c'était les deux derniers. Le tout framboise, c'était le dernier. Le tout au poivre, c'était le dernier aussi. Donc comme ça, €2,45 pièces. Donc voilà, voilà, ça c'est pour ce soir. Hop, on va les mettre au frigo. Si j'ai de la place, je vais sortir la viande pour ce soir. Hop, voilà, la viande après je sais pas quoi trop. La salade poubelle. La viande hachée, bah, je crois que je vais la foutre au congèle. Hop, voilà ça là, je vais la mettre au congèle. Bah, c'est comme du fait que. Comme du fait sur la chaîne de Béa, apparemment, on va faire une recette maison. Le chili con carne. Comme ça fait un moment, j'ai envie de faire cette petite recette. Donc, il faut que je regarde comment elle le fait. Si je sais que Angel, dans la chaîne French Girls USA, elle a fait son chili maison aussi. Et il y a Sandre de Rose qui a fait son chili aussi. Et il y a une autre personne, YouTubeuse aussi, qui a fait son chili con carne maison, mais je sais plus qui. Donc pour ça, j'attends que Béa fasse sa petite recette. Et si vraiment sa recette me plaît, bah je prendrai sa petite recette. Wally Walou. Donc sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à une prochaine petite vidéo de petite course. Allez, ciao les amis, bye bye.